Et si je vous disais qu'il existait un poisson qui vit dans le trou du fion de concombre de mer ? Les concombres de mer sont des animaux pouvant être résumés à des tubes digestifs rampants, constitués d'une bouche, d'un corps et d'un trou de fion qui permet de respirer et filtrer l'eau. Des petits poissons carapidés glissent donc parfois domicile dans le trou de fion de notre concombre, non pas parce qu'ils sont fans de tzatziki, mais bien parce que cela constitue un abri pour se protéger des prédateurs. Et aussi, ça sert de garde-manger, puisque le poisson profite des nutriments filtrés par le concombre de mer. Le truc un peu intense, c'est que les poissons peuvent s'y mettre à plusieurs, jusqu'à 5, et se reproduire à l'intérieur de notre pauvre concombre. Alors même si ça ne le fait pas souffrir, c'est quand même un peu extrême, genre pire coloc du cul quoi. Si cette anecdote vous a plu, elle fait partie de mon nouvel ouvrage paru aux éditions de Book Supérieur qui s'appelle Les Petites Folies du Vivant. Et dedans, clairement, il y a les pires anecdotes de la nature.